Celle-là, tous ces Zelda B99, hein, donc je montre ça pour dire que maintenant j'ai le mini caméscope HD, donc la qualité sera probablement mieux. Hein, voilà, juste pour vous montrer. Et donc là, je fais une petite coupure pour atterrir dans le jeu. Et dans une seconde. Salut à tous, c'est Zelda B99. Donc, s'il n'y a pas de problème technique ou d'autres conneries dans le genre, normalement, vous avez bien vu juste avant où je disais, voilà, j'ai le caméscope HD. La compagnie, donc normalement là la qualité est mieux qu'avec ce vieil iPhone tout pourri, c'est génial. Et donc bah évidemment j'avais pas eu le temps de vous présenter Yoshi dans la première partie de ma vidéo de Super Mario Galaxy 2, hein c'est ZW99. Et donc je vais vous présenter ce magnifique Yoshi, il est génial, hein. Donc évidemment déjà il y a le pointeur qui nous sert à viser pour atteindre nos cibles, c'est génial, c'est un miracle. Alors, j'espère que ça enregistre bien dans la carte SD au moins. Et donc, je vais vous présenter encore deux transformations que je vous avais pas montrées. Mario Nuage. Je vous avais pas montré tout un niveau en Mario Nuage, malheureusement. Et donc, nous allons y aller de suite. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah, le petit Yoshi, qu'est-ce qu'il est mignon, hein. Ah, il est mignon, Yoshi, hein. Il a des transformations. Ah mais non, au pire j'ai carrément, enfin au mieux plutôt j'ai carrément vous montrer transformation de Yoshi. Hein, donc la première transformation de Yoshi qu'on a dans le jeu, je crois, Yoshi Vitesse. C'est un petit peu comme comme Sonic qui se met à hyper vite. Hein. C'est assez drôle, alors genre il se met à avancer, on peut plus contrôler et tout. Bon. Course puis monter, hein, la première étoile. Qu'est-ce que vous avez pas dit dans le jeu? En fait, je crois que vous avez tout expliqué à part Yoshi. Hein. Donc évidemment, voilà, le truc le saut. Et là, d'ailleurs, si vous avez pas marqué, c'est... laisse deviner qu'est-ce que c'est la musique. Aïe. En fait, la musique, c'est une des musiques de Super Mario World. Aïe. Pas concentré. C'est pas grave. On va tous mourir. Donc voilà, c'est une musique de Super Mario World, hein, sur Super NES, Super Nintendo. Ça fait bobo cucu. Tant pis. Aïe. Donc voilà, en fait, j'avais pigé mon défaut, hein, dans mes autres vidéos, c'est que on voyait rien. C'est ça le blême. Et justement, bah, j'espère que ça va aller mieux avec ce mini caméscope HD. Allez. Donc voilà, c'est ça, c'est Yoshi Vitesse. C'est un truc de ouf. Allez, on y va. Alors, bon, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre dans le jeu? Ah bon, en fait, il y a énormément de trucs. Je sais pas si je vais tout vous dire. Hein. Mais évidemment, il y a d'autres transformations de Yoshi, hein, comme Yoshi gonflable. Enfin, ouais, merde, j'ai pas réussi. Comme Yoshi gonflable ou bien Yoshi même lumineux qui permet en fait de faire apparaître des chemins qui sont invisibles. Oh, mais quel boulet je suis, mon dieu. C'est catastrophique. Bon, on recommence, c'est génial. Nya. Donc demain, s'il n'y a pas d'imprévu, normalement, je ferai peut-être une vidéo multijoueur à un jeu, je sais pas lequel, avec des potes. Ah oui, donc comme j'avais déjà dit, en fait, je ne capture pas. Hein, c'est que j'ai pas encore trouvé la prise mini à HDMI, justement. Et donc, je ne capture pas, là. Je filme directement sur l'écran, en faisant mon possible. Pour qu'on voit un maximum. Zut! Je suis tombé la plateforme comme un gros boulet, c'est génial. Hein. Évidemment, pour quitter Yoshi, hein, mais on se baisse, on appuie sur A. On peut pas faire de saut en longueur ou je sais pas quoi sur Yoshi. Hein. Alors, c'est parti, mon kiki là. Évidemment, dans les niveaux, il y aura par exemple des planètes cachées ou d'autres trucs dans le genre hein, qu'on débloque. En donnant des trucs à des gants Frolluma à pièces. Comme par exemple, regardez, je sais pas où là-bas, là, c'est une espèce d'île qu'on débloque en donnant des pièces à un Luma, un gouanfre Luma. Et donc, oh yeah! Évidemment, toujours le système des drapeaux. Voilà, génial. Alors, bon, je vais vous présenter quoi d'autre? Aïe, 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 mais quel boulet! C'est catastrophique. C'est pas grave. Un petit zoom alors. Hein. Allez, petit zoom.
Allez, on va quitter le niveau 1, c'était catastrophique. J'y arrive toujours moins quand je filme, c'est catastrophique. Donc je sais pas quand je serai, parce que apparemment, puisqu'il n'y a pas de prise de casque sur ce caméscope, je crois pas que je pourrais mettre un micro, et du coup pendant que je commenterai, je ne pourrai pas, enfin pendant que je montrerai la vidéo quoi, je pourrai pas commenter en même temps que le film si je capture. Donc avec Windows Movie Maker, je fais un petit chapeau, avec Windows Movie Maker en faisant des montages là, comme là je fais avec la coupure, s'il n'y a pas eu de problème technique, et ben normalement je pourrais peut-être que pendant que déjà je filme, on n'entendra pas, on est d'accord, et après, et ben après je pourrais parler dans Windows Movie Maker, puis en fait on m'entendra quand même en fait. Je sais pas comment vous expliquer hein. Donc attention là, c'est un spoil de ouf hein, c'est quand même un château. Premier combat contre Bowser hein, parce que le château du monde 1, comme vous le savez, c'est contre Bowser Junior, enfin comme vous le savez, si vous avez le jeu, comme vous le savez, je parle. Hein. Bon, évidemment, il y a des comètes. Hein. Cette fois, dans ce jeu-là, les comètes, les blocs, elle est de pièces comètes, de médailles comètes, ça s'appelle. Ce qui nous permet. Aïe. Quel boulet suis-je? Avec des médailles comètes, on peut. Donc. Excusez-moi, je fais une petite coupure. Non, avec les médailles comètes, on peut donc. Allez hop, on peut donc. Attirer les comètes sur dans la galaxie en fait, et c'est grâce à ça qu'on pourra faire les comètes. Si on n'a pas la médaille comète du niveau, on peut pas faire ces comètes. C'est ça en fait le truc. Bon, petit saut en longueur, voilà. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire d'autre? Le graphisme, je pense, doit être probablement amélioré. Allez, oh non, purée, mais quel boulet! Ah, alléluia. Alléluia. Ça fait deux alléluia aujourd'hui. Alléluia pour le caméscope. Pour la bref. Donc je pense que je pourrais faire des vidéos de plus de 10 minutes hein, maintenant. Alléluia. Et donc, ce serait cool évidemment que vous me dites franchement, sérieusement, ce que vous pourrez... Enfin, ce que vous pensez de mes vidéos. Ce que je pourrais faire pour que mes vidéos soient vraiment bien quoi. Enfin, je veux dire, pour que vous ayez vraiment envie quoi de voir mes vidéos. Je vous dire après, si vous forcez à aller voir, il n'y a aucun intérêt. Donc voilà, n'oubliez pas hein, évidemment de. Allez hop, toi, meule. On peut évidemment le dire ce que vous pensez de mes vidéos. Voilà quoi. Alors. Ouh, attention. Bon, la flemme de prendre les pièces. Hein. Évidemment, il faudrait qu'un jour je vous montre le J2. Hein, qui est évidemment beaucoup d'amélioration par rapport à Mario Galaxy 1, c'est vraiment hop génialissime. Ah tiens, ah oui, ce petit truc là déjà présent dans Super Mario 64. Vous savez là dans la première partie de cette vidéo. Hein. Allez, meurs babouin sans cœur. Meurs dans les abysses de l'enfer, toi aussi. Produit sans poil, des insultes de merde. Alors, toi, je vais te manger une pomme dans la tronche. Allez, évidemment, comme autre nouvelle transformation, il y a par exemple le perceur, j'appelle ça, c'est une sorte de truc, c'est quand on secoue la manette sur une surface en terre, en fait, ça nous permet d'aller sous le sol, puis passer à travers les planètes et tout. Pas mal du tout. Alors, à part ça, bon, le scénario, c'est toujours la même chose. Hein. Bowser a kidnappé Peach, oh mon dieu. Comme vous l'avez remarqué, hein, je sais pas si j'avais déjà dit dans la première partie de ma vidéo, on a enlevé Mario volant. Pourtant, qui était génial ici, hein, je sais pas. C'est con qu'il l'a enlevé. Hein. Ces petits trucs là, sont chiants. Ils bouffent le sol en fait. C'est hyper chelou. Hein. Allez, on y va. Putain, ça fait peur. On va tous mourir. Ouais, bon, évidemment, toujours le système. Voilà, les trucs. 6 points de vie, 15 dans le premier. Toi meurtre du cul sans poil. Donc j'espère voilà que ça va vous plaire. En fait le blême hein, c'est que j'ai tout raconté dans la première partie de ma vidéo et du coup là j'ai plus rien à raconter. Et donc voilà, comme je disais, demain on fera une partie multijoueur avec mes potes. Faudrait d'ici là que je trouve un moyen de mieux filmer. Donc, je filme toujours avec le vieux moyen de l'iPhone, donc voilà quoi, c'est
au film aller de mes jambes. C'est hyper chelou. Et donc, nous allons nous trouver pour le magnifique combat. J'hésite à voir si je vais vous le montrer ou pas. Donc voilà, je vous fais le combat vite fait. Et après, on arrête la vidéo. Il est quelle heure? Ah bah, déjà 46. Donc évidemment, ça a rien à pour tuer Bowser, ça a rien à voir avec Mario Galaxy. Hein, ça. C'est, on va sur des espèces de planètes chelou magnétiques et tout. Et on les jette dans la gueule de Bowser. C'est génial. Donc évidemment, on peut zapper. Hein. Et Bowser les géants, attention. Bon là, c'est le premier combat, hein, donc c'est facile. Premier combat contre Bowser. Donc voilà, en fait, le but, c'est qu'il jette un coupon sur la planète, évidemment, sans nous toucher. Et je me jette une planète dans la gueule. Là, zut, ça s'est mis sur la carapace de Bowser, ce qui fait que ça n'a pas niqué. Donc pour les abonnés, bah j'espère voilà que vous verrez cette vidéo, qu'elle vous plaira et tout. D'autant plus que je fais vraiment tout mon possible pour qu'elle vous plaise mes vidéos. Mmh. Attention météorite. Alors, toi tu vas crever Bowser. Tu vas crever avant que tu manges une pomme. Non, j'ai gagné. Alors, ah, alléluia. Ah non, c'est toujours pas fini, c'est vrai. Alors, bon, bah, je vais vous parler de quoi d'autre. Le fameux monte S, par exemple, hein, qui fera partie de mes vidéos défis de ce jeu-là. Donc, voilà. Des niveaux, genre, il y a un niveau qui est repris de Super Mario Sunshine, ou certains qui sont repris de Mario Galaxy, ou des autres qui sont tout simplement inventés dans le monde S. Alors, c'est quand qu'il est mort? Alors, donc, on y va. Toi, tu vas mourir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire? J'hésite en fait. Non, pour les musiques, c'est orchestral. Hein. Voilà. En fait, pour le combat final, hein, c'est comme ça. C'est comme ce combat-là, mais évidemment en plus dur. Et à la fin, en fait, j'espère que je vais pas trop vous spoiler. Il y a Bowser qui revient et tout, tralala. Puis, de toute façon, j'en ferai une vidéo hein, du boss final. Alors, c'est bon. Bref, espérons que la vidéo soit pas trop longue. Et donc, nous allons cesser cette magnifique vidéo. Ah, ça change, j'espère, quand même, de l'iPhone. Hein. Toujours que ça, c'est la meilleure définition. Et donc, bah, à demain, hein, quand je ferai une vidéo multijoueur de je sais pas quel jeu avec mes potes, s'il n'y a pas de imprévu. De je sais pas quel jeu, probablement Mario Bros. Wii, peut-être, je sais pas. Et donc, au revoir et à la prochaine vidéo.